Bonjour Jacinthe, on est là. T'es dans le bois? Non, je suis pas dans le bois, je suis dans mon petit bureau, ex-bureau de consultation, quelque part dans mon garage. Je pensais que t'étais parti un peu Non, non. relâché. Non, pas du tout, parce que ce soir, c'est mon premier webinaire, fait qu'il faut que je sois dans mes affaires. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. OK, C'est ça. parfait. Donc, les webinaires de Jean-Yves, vous allez sur son site gydionne.com. Et là, vous avez accès au webinaire, donc tous les sujets. Et ce soir, c'est 30 ans de plus en santé. ça. Et on travaille aussi là-dessus de notre côté. Fait Ouais, puis il y que... a des surprises dans le troisième, très, très intéressantes. Donc, c'est en trois volets, celui-ci. Oui, le premier, excuse-moi, le premier, c'est les théories qui expliquent le vieillissement, pourquoi on vieillit, qu'est-ce qui accélère le vieillissement. Deuxième partie, c'est les stratégies qu'on peut faire dans la vie de tous les jours pour rester jeune. Qu'est-ce que les centenaires font, en d'autres mots? Mais pas juste en observation, on va plus loin en explication. Parce que c'est facile de dire manger de telle façon, oui, mais pourquoi? Puis la troisième partie, c'est les substances qui affectent les voies métaboliques du vieillissement. Puis là, on a du fun. Enfin, moi, j'ai du fun. ça va plus loin que l'observation, encore une fois. C'est quelles sont les études, qu'est-ce qui fonctionne. Fait. Ça va OK. être plein d'informations pour tout le monde. OK, super. Puis nous, on continue de travailler là-dessus parce que ça m'intéresse moi aussi, tu sais, de savoir qu'est-ce qu'on peut prendre. Tu nous as déjà parlé de la mélatonine. Bon, à suivre après les 3 semaines. On a commencé, toi et moi, à échanger là-dessus parce que tu as des idées, puis moi aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si, puis c'est pour ça que le webinaire s'appelle 30 ans de plus en santé, c'est pas anti-âge, c'est que si on est capable, un, d'affecter les facteurs de risque, on le sait, manger, exercice, gestion du stress, blablabla, mais si on affecte les voies du vieillissement, c'est 30 ans de santé de plus qu'on gagne. C'est pas un an, 2 ans, là. C'est vraiment, on repousse la maladie parce que le but de toutes les stratégies que tu fais, que je fais, c'est pas juste je vais vivre plus vieux. Mais si je vis plus vieux, 30 ans dans un CHSLD, ça ne me tente pas. Ben non, Hein? on Fait que veut je vais être en forme. continuer, de bouger, on veut, tu sais, puis des fois ça nous surprend, c'est comme il y a un an tu m'apprenais que je commençais à faire de l'arthrose, je dis que c'est ça, et tu m'as parlé du collagène. Depuis ce temps-là, tu sais ce que je disais hier soir à Sylvain, j'ai dit c'est merveilleux parce que on a d'un côté les suppléments et Ouais. tu développes des trucs incroyables, tu sais, avec des 67 allégations possibles pour une seule multivitamine. Je veux dire, c'est du jamais vu. Ça, c'est quand Jean-Yves se lâche lousse, quand Ouais, c'est ça. et c'est merveilleux. Je me dis qu'on est au début de quelque chose. On a une belle base, mais on est au début aussi parce qu'il y a aussi des très, très belles ressources au Québec, ailleurs dans le monde, mais au Québec, on est très Ah, écoute, fort. on a des substances ici, on a des gens ici. Tu sais, je t'ai fait rencontrer quelques personnes que tu as partagées avec tout le monde. Pense à Valérie, pense à Pierre. Tu connaissais Docteur Brouillard. Tu sais, Docteur Brouillard, là, on a l'impression que c'est un petit monsieur zen. Il a été chef de l'urgence de Maisonneuve-Rosemont. Allô? Méchante compétence, le monsieur, là. Tu sais, fait que C'est tu fais, vraiment. c'est des gens qui ont des bagages souvent insoupçonnés au premier regard. Tu fais comme, OK, là, tu jases avec les autres, fait que ça gratte. Tableau, ça arrête plus. Je trouve ça fascinant, mais on en a Oui. plein de ça au Québec. Et vous êtes ouvert au potentiel de pas que à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais à tout ce qui existait avant aussi. C'est ça Ah, qui est avant, très. après, à côté, pendant, devant. Écoute, il y a un monsieur que j'ai passé en entrevue qui s'appelait Pierre-Marie Gagé. Quand je l'ai passé en entrevue, il avait 94 ans. Okay? Il y a 3 ans de ça. Il est encore en vie, le monsieur. Il fait encore le tour de la planète pour parler de posturologie. Il fait des projets de recherche en Amérique du Sud puis en Russie. Et il a dit une phrase au début de l'entrevue. C'est un monsieur qui parle lentement. Quand je l'ai réécouté, j'ai écouté à double vitesse. Tu vois comment moi je parle comme un chipmunks, là? J'étais comme, ah, parle plus vite. Mais il dit une chose. Si on veut évoluer, si on veut apprendre, il faut sortir. Hey, comment ça fait que ça manquait? OK, attends un peu. Un bug, puis je veux pas. Ouais. Bon, OK, Fait que, donc, on a manqué le punch. on a manqué un petit bout. Ce qu'il lui dit au début de l'entrevue, si on veut apprendre, si on veut évoluer, il faut sortir du connu. Ah. Je l'ai fait répéter la phrase tellement ça m'a frappé. Parce que tu penses à Gaétan, tu penses à Pierre, tu penses à Valérie, tu penses à moi, tu penses à toi. C'est tous des gens qui sont. J'en veux plus. Je reste pas dans le confortable, le c'est déjà connu, c'est la ligne directrice. Oui, mais ça marche pas pour moi. Ah, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on fait. Oui, mais non, ça marche pas pour moi.
On peut aller plus loin. Sortir du connu. Et de continuer quand quelque chose nous interpelle d'y aller. Tu sais, de ne pas attendre, de ne pas... j'aimerais ça... Tu sais, ce que je réalise, mais j'aimerais ça que tu l'expliques aux gens. Tu sais, ce que je réalise, c'est que on a des super aliments. On a l'alimentation. La première chose qui peut faire la différence, c'est de vivre l'alimentation, bouger, respirer, tu sais, bon, tout ce que tu montres dans ton livre, la base, tu sais, de bien, bon stress, bad stress, tu sais, pour bien vivre notre vie maintenant, les trucs de base. Bon, l'assiette est super importante, on en parle et on en reparle. Alors, tu sais, être conscient qu'il y a beaucoup de glucides dans nos assiettes ou que des glucides et qu'il faut rajouter des protéines et des bons gras. Il faut chercher l'équilibre, absolument. Et ça va faire la différence. J'ai l'impression que les super aliments, moi, je nage là-dedans depuis une vingtaine d'années. Tu sais, pour moi, c'est de la super alimentation. Il y en a qui disent que c'est du marketing. Pour moi, au départ, le concept de... je sais pas pourquoi mon ordinateur fait des niaiseries. Le concept de super aliments, oui, c'était du marketing. Okay? C'est arrivé avec l'açaï, c'est arrivé avec des affaires comme la baie de goji pour nous vendre quelque chose d'exotique. Mais le concept, au-delà du mot marketing, super aliment, c'est qu'il y a dans les aliments des individus qui ont des potentiels de santé, de bénéfices plus grands que les autres. Je vais donner un exemple banal. La laitue iceberg, bof. Le kale, on parle de d'autres choses, OK? Dans les fruits, la canneberge au Québec, le bleuet, alias la myrtille pour nos amis français. L'argousier, c'est des powerhouses, c'est des affaires qui ont tellement de stock. Puis tu regardes le ratio énergie-calories versus micronutriments, polyphénol, antioxydants, blablabla, est beaucoup plus important que pour la banane, par exemple. Ou la banane, ça coûte bon. Tu sais, j'ai pas d'objection. Le problème, c'est que c'est très sucré. Puis en termes de caractéristiques nutritionnelles exemplaires, tu cherches longtemps. Il y a un peu de potassium. Puis on a voulu dire une banane équivaut à un steak. Excusez, c'est pas vrai. Alors, à un moment donné, il faut regarder plus loin. Donc, le concept des super aliments, c'est trippant parce que tu peux facilement intégrer des algues comme la spiruline, la chlorelle ou des algues de mer comme le goémon, comme le kelp. Comment en français, c'est du varech. Alors, il y en a plein comme ça. Il y a des petits fruits, de toutes sortes d'affaires. Puis là, tu embarques, OK, moi, je veux ça pour ma vie. Quels sont les outils que je peux faire qui vont améliorer sans en faire une religion, sans en faire des règles dogmatiques? C'est de l'expérimentation. Puis à un moment donné, tu fais, je me sens bien quand je fais ça. Tu sais, un exemple, j'adore la bière. Je ne peux pas dire que c'est un aliment santé. C'est peut-être pas mauvais, c'est moins pire qu'un fort, mais ça reste une source d'alcool qui a... Fait que je me fais plaisir, mais je me limite parce que, un peu comme Épicure, tu sais, Épicure, on parle d'épicurien ou Épicure, il y a une grosse valeur, la hiérarchie. Tes désirs et tes besoins et tes plaisirs sont hiérarchisés. Alors, je prends mon exemple de bière. C'est pas la fin, je vais prendre 3 fois par jour. Je vais me faire plaisir une fois par semaine. T'sais, tu vois la distinction? Mais des bleuets, je peux en manger tous les jours. Peut-être pas 3 tasses, puis ça devient trop sucré. Mais il y a un intérêt pour mon cerveau, entre autres. C'est neuroprotecteur. OK. On va parler du sucre après. Là, je vais juste revenir à mon idée de départ. Donc, les super aliments, c'est des aliments un peu plus concentrés en micronutriments. Exactement. Et nous, ce qu'on a de besoin pour fonctionner, c'est pas des calories. Faut pas imaginer l'alimentation en termes de calories, mais plutôt en termes de nutriments. Ce qu'on a, que ça nous prend. Parce que si on mange des aliments vides, mais qui vont avoir, un nombre de calories, mais qui sont vides en nutriments, bien, notre système va continuer de chercher à être bien nourri. Tu viens de mettre en mots le problème de notre société en ce moment. Parce que, tu sais, moi, j'ai tendance à être un peu comme tout le monde, réductionniste. C'est les glucides. Ouais, mais ce que tu as énoncé là, c'est que la chimie industrielle alimentaire a créé des aliments extraordinairement goûteux. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur s'excuse. Si jamais ça glisse, là, j'ai des niaiseries devant moi. Des aliments extraordinairement goûteux, la bouffe de dépanneur. C'est toute faite, facile, accessible, mais vide en termes de nutrition, vide en termes de bénéfices, puis plein d'affaires que tu dois décrasser. T'sais, les colorants. Mon exemple typique, c'est la chips colorée jaune-orange. T'sais. Qu'est-ce qui est de bon dans ça? Un, c'est une friture. Deux, les colorants. Alors,
tout ça, on est de ce côté-là. Tu regardes aux États-Unis, 80% de nos voisins du Sud ne sont pas en santé. C'est 88%. 80% des gens ne sont pas en santé métabolique. C'est ça la question. OK. Donc, vide de sens. Moi, c'est comme ça, Oui. Toi, tu parles aussi d'assiettes dénutries. Tu sais, du absolument. Dénutries. Donc, c'est... OK. Alors, ça, c'est la base. Donc, les super-aliments, dans le sens, c'est des aliments, ce sont des aliments, mais qui sont concentrants en nutriments. Et c'est logique, des fois, de se tourner vers ça pour avoir une belle densité nutritive. OK. Après ça, on a des suppléments. Et là, certains super-aliments... Ils vont être homologués, ils vont avoir des allégations thérapeutiques, mais ça reste sensiblement, à part les sources d'antioxydants, ça va rester ou pour aider à la digestion, ça va rester des aliments. Des aliments, on ne peut pas, des aliments soignent, une bonne alimentation soigne, mais nous, on ne peut pas dire que des aliments soignent. Donc, c'est ça que j'aimerais que les gens comprennent, que si, okay, par exemple... Tu fais référence à un problème en termes de communication. C'est-à-dire qu'on est pris, tout le monde, dans un carcan de règles édictées par des gens qui cherchent à prévenir le trouble. Alors, Santé Canada, sa première mission, ce n'est pas d'encourager le meilleur, c'est de prévenir le trouble. C'est des gestionnaires de risques. La loi sur les produits naturels, c'est faite comme ça. La loi sur les aliments, c'est faite comme ça. Fait qu'on est toujours frileux à dire « ça, c'est très bien, il faut faire ça ». On est souvent à dire « fais pas ça ». Attention à telle affaire. Va pas plus loin que. Alors, les produits naturels, toute la réglementation, prends pas tel produit plus que tant de semaines. Pas parce que c'est dangereux, parce qu'on pense que peut-être quelqu'un pourrait prendre le produit naturel puis éviter ou ne pas aller chez le médecin quand il en aurait besoin. Ça fait que c'est beaucoup de précautions de bon aloi parce que c'est un gestionnaire de risque. Nous, comme individus, on n'est pas là. On est plus à la recherche qu'est-ce que je peux faire de mieux pour moi. Et le premier outil thérapeutique, c'est ton assiette. OK? Alors, de là à dire qu'un aliment particulier est thérapeutique pour une chose particulière, c'est pas toujours facile. Mais une façon de manger, oui, 100%, on va avoir des bénéfices. On vient de parler des super-aliments. Moi, je parle souvent de l'équilibre des trois macronutriments, le fait de manger des aliments complets. Fait des niaiseries. Ne stresse pas. Non, c'est juste que j'ai l'impression quand ça coupe, puis j'aime pas quand l'autre personne me parle. Je suis juste contente que ça ne soit pas de mon côté. Non, c'est là, ce fois-là, c'est moi. Tu vois, Judith, elle dit que dans sa prise de sang, il manquait de potassium. Mais ça se peut, ça, de nos jours, qu'il manque de potassium? Ah oui, ça se peut. Oui. Puis là, si Judith était ma cliente, je dirais quel médicament tu prends. Parce que ça se peut manquer de potassium dans son alimentation, mais c'est le plus souvent, il y a quelque chose qui le fait sortir. Il y a un diurétique dans le système. Où il y a un déséquilibre alimentaire, puis là, on va jouer à ça. Plus bel exemple, OK? Je vais donner deux cas d'hôpital, vraiment d'hôpital. Tu as une personne âgée qui, on prend sa prise de sang, ses électrolytes, son sodium, son potassium sont bas. Puis si, tant mieux, le médecin a vérifié, son magnésium est bas, ce qui est rarissime. Je t'expliquerai pourquoi. Et là, la stratégie, c'est pas donner potassium et magnésium, c'est donner potassium et sodium, c'est donner magnésium. Ce qui fait que les deux autres montent. Il y a toujours cette notion d'équilibre quelque part dans le corps. Okay. Et pourquoi c'est excessivement rare d'avoir du magnésium bas? Parce que le magnésium qu'on prend dans les tests médicaux, c'est le magnésium en solution dans le sérum. En réalité, ça, le corps va faire des efforts monstrueux pour le garder toujours dans sa place. Un peu comme le pH, toujours là. Ton sang est toujours entre ça et ça, autrement tu es malade. Et là, la réalité, c'est que pour faire ça, il va puiser dans ses réserves et ton magnésium intracellulaire dans tes cellules, lui, il va planter. Quand tu corriges ça, les deux autres se corrigent. OK. OK, ça fait du sens. Je reviens à l'idée de quand on a des aliments, on ne peut pas dire que ça va avoir un effet thérapeutique. Il y en a très peu qui vont me permettre de dire ça. Okay? Par exemple, manger des fibres diminue ton cholestérol. C'est une allégation acceptée par Santé Canada. Mais de dire que manger plus de tel genre de polyphénol va avoir telle affaire, non. Les épices, tu le sais, que c'est qu'il y a un bel impact, mais les épices ne rentrent pas non plus dans des produits de santé naturelle, à moins d'aller faire homologuer ça. Mais oui, bien c'est ça.
Puis là, vois-tu, tu viens de cibler la plus grande catégorie de super-aliments que sont les épices et les fines herbes. Puis, tu sais, j'ai écrit une série d'articles qui s'appelait « La route des épices », hein, sur la cannelle, le clou, le gingembre, etc. Puis qui cherche à comprendre pourquoi, au Moyen-Âge et la Renaissance, les nobles européens, français en particulier, payaient des sommes à leur pesant d'or pour des épices qui venaient des Indes et ailleurs. C'est pas juste le goût puis le tape à l'œil. Non, 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 non. Il y a toutes des vertus thérapeutiques, il y a des vertus de conservation des aliments. N'oubliez pas qu'au Moyen-Âge, l'eau potable était une denrée rare. OK? Fait qu'il faut vraiment remettre en contexte. Mais tout ça pour dire que, oui, les épices et fines herbes ont des vertus anti-inflammatoires, antioxydantes. La cannelle améliore ta gestion du sucre. Le gingembre, c'est un anti-inflammatoire, c'est un anti-nausée. Puis je peux continuer. Le curcuma. Ouais. Hein, le curcuma, dans ton alimentation, à distinguer du supplément, on n'est pas en même place, tu as des impacts antioxydants, anticancer, neuroprotecteurs, anti-vieillissement. Fait que c'est vraiment des épices que tu veux mettre, mais ce n'est pas de mettre une épice en quantité de cheval, c'est d'en mettre partout. Faut que ça goûte. Puis là, tu arrives à un modus operandi où tu joues dans les épices, les fines herbes, tu as du fun. Puis il y a vraiment des bénéfices à manger quand ça goûte. OK. Le curcuma, donc, tu vas préférer comme une racine de curcuma fraîche à une capsule de curcuma? Ou non? Pas nécessairement. Ce que je veux dire, c'est que quand tu prends du curcuma dans le contexte traditionnel, dans un curry, par exemple, tu as toujours un complexe d'épices. Ouais. Et le curcuma, dans la tradition indienne, c'est pas la racine fraîche. C'est pas vrai, ça. La racine de la tradition indienne, c'est des épices séchées. Qui ont le temps de fermenter et qui changent. Et un bon curcuma en poudre, c'est huileux. Puis c'est jaune-orange. Si tu achètes quelque chose à l'épicerie qui est jaune-serin, laisse-le là. C'est plus du curcuma, OK? Mais d'où la notion de la qualité des épices. Et dans le contexte alimentaire, tu as des trucs. Exemple, le fameux poivre qui permet l'absorption des principes actifs. Parce que sans poivre, oublie ça, ça ne passe pas. Par contre, quand tu prends l'épice complète dans une recette, tu as d'autres facteurs qui vont permettre de mieux passer la barrière intestinale. Alors, c'est toute cette notion-là de ce que Dr. Béliveau appelle son approche métronomique. En mettre un petit peu partout. C'est quelque chose. Par contre, dans les suppléments, tu as deux grandes catégories de suppléments. Non, trois. Tu as des capsules complètement inutiles. On met de la poudre d'épices en capsule. Ça ne sert à rien. Parce que la dose efficace, c'est en cuillère à thé. Une capsule, ça ne marche pas. Tu as des extraits, 95%, ça non plus, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas quelque chose sur l'étiquette qui te dit que le produit est mieux absorbé, il passe tout droit et l'effet secondaire premier, c'est des sels jaunes. Tu viens de comprendre quelque chose. Alors, oui. Ça, c'est une catégorie super présente sur les tablettes et laissez-les sur les tablettes. Puis à côté de ça, tu as des extraits qui ont été développés où on a une technologie. Exemple, l'ingrédient Meriva, développé en Italie, que tu retrouves dans plein de produits, c'est des phospholipides, c'est-à-dire c'est des liposomes. Tu as la même affaire dans tes cosmétiques. Okay? Des petits globules, dans l'intérieur duquel il y a le principe actif, et le petit globule arrive au niveau de ton intestin, rouvre, passe dans la cellule, puis est absorbé. Même chose dans les cosmétiques, tu as des liposomes, et le petit globule arrive dans ta peau, pouf, s'intègre dans ta membrane, et voilà, c'est mieux. Ça, c'est une technologie. Il y en a tout plein, mais il faut que tu le trouves. Et donc, l'idée, c'est pas juste de mettre des trucs dans des capsules. T'as tout compris. Et c'est l'assimilation, les synergies pour que ça soit aussi bien assimilé. Tu sais, rares sont des capsules avec un seul ingrédient. En tout cas, tu sais, t'as des familles, t'as des synergies. Exactement d'accord. OK, on est à la même place. Puis, tu sais, j'irai pas là. C'est parce que quand nous, on baigne là-dedans, tu formules, tu sais, pour nous, et on va chercher le meilleur, et c'est le mandat, mais on vend directement aux gens. Tu sais, moi, je me demande comment ces gens, comment on fait pour mettre autant de concentrés de nutrition ou de suppléments dans des capsules quand on doit donner un gros pourcentage aux gens. Ben là, tu viens de comprendre un des problèmes de l'industrie où les compagnies sont prises dans une structure de distribution. Puis comme moi, je suis consultant pour l'industrie depuis 30 ans, là, ce qu'il faut comprendre, là, je parle aux consommateurs, monsieur, madame, tout le monde qui écoute. Là. Un fabricant qui a une idée,
va faire le travail de trouver les bons fournisseurs pour son produit ou si c'est de l'herboristerie traditionnelle, les produits lui-même. Mais ça, une fois que ton produit est là, tu as toute la relation gouvernementale pour l'approbation, pour avoir le droit de dire quelque chose, ton étiquette. Ouais. Puis pour avoir le droit de mettre en marché. Ça, tu le sais comme moi, c'est d'une longueur infinie. Ou alors, tu fais une copie d'une copie d'une copie avec une monographie où là, ton produit n'a pas d'avantage. Alors, tu développes une formule, tu la fais approuver, ça te prend des mois de travail. Puis après, ah, j'ai mon NPN, yes. Et là, tu regardes comment je le mets en marché. Alors, tu as deux, tu as trois grands réseaux. Tu as le réseau de la pharmacie, où là, tu attaches ta tuque parce que ça coûte cher. Tu as un grossiste à payer, tu as un distributeur à payer, tu as une bannière qui demande de l'argent pour le mettre sur la tablette, puis tu as une marge de profit du détaillant. Fait que ce que tu viens de dire, là, c'est tellement vrai. Tu as un type de produit, là. C'est ça. Voilà. En boutique, c'est un peu moins pire parce qu'il y a une couple d'étapes de moins. Puis sauf les grandes chaînes, ils ne demandent habituellement pas de pied de tablette. Parce qu'en pharmacie, ils vont te demander de l'argent pour être sur la tablette, pour être planogramme. Il y a le réseau direct dont tu fais partie, où tu peux te permettre de vendre directement au consommateur, mais ça demande tout un effort de développer de l'image, de développer le message. Et il y a beaucoup de compagnies qui n'ont pas ce qu'il faut pour faire ça, qui n'ont pas la patience. Parce que tu sais comme moi comment c'est long faire ça. C'est long et nous, ce n'était pas prévu. Tu sais, hier, je me suis assise, puis il était 10 heures hier soir, j'ai dit, « Hey, je disais, Sylvain, j'ai dit, te rends-tu compte qu'aujourd'hui, on a un média, et on a un média parce que les autres médias ne voulaient pas que je vienne parler. Parce que je leur ai dit, voyons-le, je ne vais pas dire ce que vous voulez que je dise. Je vais dire ce qu'ils me tentent de dire. Donc, je me suis fait barrer un peu partout. Tiens, tiens, tiens. Ça nous ressemble. Et on voulait aussi acheter ma marque. Ben non, c'est ma vie. Donc, ça c'est une affaire. Fait que j'ai été... Le média s'est installé de lui-même parce que, tu sais, où je parlais à 70 personnes, puis 6000 personnes... Mais là, aujourd'hui, ça fait en sorte que, regarde ce que je veux te dire, Jean-Yves, c'est que tu sais, t'as vu pour nous un complexe B version active. Bon, extraordinaire, on sent les faits directement. Il y a un monsieur, un papa et une maman d'une fille qui nous suit. La femme a eu un épisode, elle est tombée à 78 livres, elle est allée à l'hôpital, déshydratée. Les manques d'énergie complète. En revenant à la maison, la fille est arrivée avec le complexe B version actif de Maison Jacinthe. Okay? Elle a repris 40 livres. Mais qu'avec ça, moi, ce que je disais à. Puis là, les deux, elle a le plus d'énergie que son mari. Les deux se sont mis là-dessus. Que ça. Moi, je disais à Sylvain hier, cette fille-là qui a donné ça à ses parents, c'est parce qu'elle le suit, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir quel supplément prendre, on ne sait pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Il y a vraiment une force, Jean-Yves, de pouvoir parler du contenu, d'avoir des suppléments qui font la différence, qui sont bien conçus, qui sont intelligents, qu'il y a quelque chose dans les capsules et que ça va faire la différence. Je trouve ça incroyable. Tu sais, c'est des fois, c'est même un peu trop parce que ça peut être dérangeant. Tu as 100% raison parce que tu fais allusion au déluge d'informations qu'on a. Non seulement il y a un déluge de produits puis c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est bon, mais il y a un déluge d'informations contradictoires. Alors, tu viens de parler d'un complexe B. Parle à la grande majorité des professionnels de la santé. Ils vont te dire quoi? Ça sert à rien de prendre des vitamines. Non. Ah, et il y a un autre mythe aussi, ça surcharge les reins. Ah, quelle farce! Excusez, là, OK, là, on va dire une affaire, je vais passer à d'autres choses, mais là, la chose qui surcharge les reins, qui entraîne de l'insuffisance rénale, c'est le surplus de glucides. C'est la résistance à l'insuline. Point. Le sel, c'est pas vrai. Le magnésium, c'est pas vrai. Les protéines, faut vraiment faire exprès. Ça va le faire, mais il faut que tu manges que ça, puis là, tu manges juste des poudres. Non. Quand tu manges des vrais aliments, ça n'arrive pas. Alors, on a entretenu beaucoup de mythes sur le danger des outils que nous pouvons contrôler. Contrairement aux médicaments qui sont « Ah, pas de danger! » Les injections, pas de danger! Tu sais, comme « Pardon? » Par définition, un médicament, ça a des effets secondaires. Point. Prouve-moi le contraire. Parce que ça, c'est dans la définition. Si j'ai un effet primaire, j'ai un effet secondaire. C'est vrai dans les produits naturels aussi. Mais habituellement, les effets secondaires sont tellement infimes, pas grave. Tandis que l'autre, si je te mets en aplasie médulaire, je m'excuse, je vais te tuer. S'il n'y a pas un médecin ou une urgence, quelqu'un qui sait comment faire, je t'ai tué. À l'hôpital, on va te réchapper. Mais il y a des choses comme ça, tu fais OK. Donc, on entretient
Puis là, je vais être un complotiste deux minutes. On entretient dans le discours professionnel médical. Puis quand je parle de médical, je ne parle pas des médecins, je parle de tout le monde. Tous ceux qui sont dans ce monde-là, moi inclus, on s'est fait dire, en gros, tout ce que les gens peuvent prendre eux-mêmes, ou ben donc ça ne marche pas, ou ben donc c'est dangereux. La vitamine D, c'est dangereux. J'attends encore les dangers, là. Excusez, là. Puis ça, tu l'entends tout le temps, là. Vous allez surdoser. Ah oui, tenez-vous bien, surdoser, c'est 60 à 100 fois l'apport nutritionnel recommandé. L'apport nutritionnel recommandé, c'est 600, ce qui n'est pas assez. Multiplie ça par 60 ou bien par 100. Tu es rendu à 60 000 unités par jour. Allô? On n'est pas là, là. C'est pas ça que je recommande, jamais. Alors, ben, c'est la bouteille au complet. Exactement. Tu sais, les multivitamines, c'est de l'urine chère, puis c'est dangereux. Attends une minute, c'est de l'urine chère, puis c'est dangereux. Tu as ça tout le temps comme marotte. Et tout le temps. On se comprend que si on prend des suppléments ça devient des clés que notre système peut se remettre à bien fonctionner. Dans le cas que tu as mentionné là, l'hypothèse la plus probable, c'est que la dame a eu, pour une raison X, ce qu'on appelle une dysfonction mitochondriale. Je vais traduire en français maintenant. Ton usine énergétique dans tes cellules, ça s'appelle la mitochondrie. C'est une petite structure qui, d'ailleurs, a son code génétique indépendant de ta cellule. Donc, c'est comme... Il y a une histoire là, derrière, mais ça... Merci. Début de la bio. OK? T'as tes cellules, t'as le noyau, puis la mitochondrie, qui est une espèce de petit œuf là, avec des stries. Ça produit l'énergie. Pour toutes sortes de raisons, ça peut être génétique, ça peut être un virus, je ne sais pas, une intoxication, cette affaire-là commence à diminuer sa capacité et là, la cellule pédale pour la réparer plutôt que faire d'énergie. Et là, tu vois fatigue chronique. Les gens qui font des fatigues chroniques, là, c'est souvent la clé est là. Et il y a plusieurs substances pour repartir le feu de cette usine-là. Les B active le fond, les B synthétiques, pas toujours, parce qu'ils ne se rendent pas nécessairement à bonne place. L'acide alpha-lipoïque, le coenzyme Q10, la carnitine. Il y a des outils là, qui vont m'aider à repartir ça. COVID longue, j'ai une patiente comme ça, appela, une gestionnaire, une madame, là, qui est pouf. Quand moi je l'ai rencontrée, elle parlait comme ça, elle n'avait pas d'énergie. J'ai jamais connu l'autre madame, là. J'ai connu la malade. Oui. Moi, puis, petite parenthèse, beaucoup de gens ont l'impression que les gens malades, c'est de leur faute. Ont l'impression que si tu manges bien, tu fais ce qu'il faut, tu ne seras pas malade. Oui, mais si tu es malade, pareil, là, c'est une autre paire de manches. Le même individu, moi, le pétant de feu, que si je suis malade, je suis l'ombre de moi-même et ma psyché a changé complètement. Et comme thérapeute, il faut être conscient de ça parce qu'autrement, à un moment donné, ce n'est pas l'individu 100% qui est devant moi. Là. Mon but, c'est de le ramener le plus proche du 100% possible. Alors, dans le cas de ta madame, tant mieux qu'un outil de complexe B. Dans bien des cas, ce n'est pas assez dans un cas complexe comme ça. Mais je n'ai pas un médicament. C'est pour ça qu'à un moment donné, la formation médicale au sens large est au dépourvu devant ces pathologies-là parce qu'ils ont un coffre à outils puis ils sont formés pour regarder ce que je t'ai dit tantôt. Tout ce qui est en dehors n'est pas bon. Pas vrai. Non, mais c'est ça. Et c'est là où je suis vraiment... Parce que tu sais, depuis un an, là, Jean-Yves, qu'on fait des directs à toutes les semaines, et que vraiment, tu sais, on se connaissait d'avant, puis on a déjà collaboré avant, mais là, on est dans un travail de fond fait ensemble depuis un an, et dans la transmission de tout ça. Mais c'est incroyable. Il faudrait que je te fasse à un moment donné un condensé. Tu aurais 500 pages de témoignages, mais qui renversant, là. Et des personnes qui sont suivies par leur médecin, qui avaient des dépressions, qui prenaient des médicaments, qui là, oups, tu sais, ils peuvent diminuer de moitié ou même arrêter, mais qui sont suivis. Oui, mais faut pas. Tu sais, j'ai l'air de taper sur le corps médical, c'est pas vrai. Là. On a tous notre rôle à jouer. C'est juste que dans la structure médicale telle qu'enseignée, le patient n'est pas encouragé à se prendre en charge lui-même, n'est pas encouragé à faire ses propres démarches. D'ailleurs, tu sais, comment je t'ai dit souvent, moi j'aime ça, Dr. Google, où les gens vont faire leurs propres recherches, puis arrivent avec des contradictions, puis ils sont complètement perdus. Mais au moins, ils ont fait de la recherche. Puis moi, ce que j'ai à faire, c'est élaguer ça. Pas par là. Oh, bye. Mais Judith nous dit, mon médecin a dit que les vitamines, il n'y a pas d'études pour le prouver. Ça, là, c'est comme me dire que tout ce qui est écrit en chinois est faux, parce que je ne comprends pas le chinois. Il y en a des études comme ça, c'est juste qu'ils ne sont pas dans les magazines,
qu'eux vont voir. Puis il n'y a pas de petit représentant qui est formé pour leur présenter un produit, pour leur présenter des complexes vitaminiques ou du coenzyme Q10 ou que sais-je, des huiles de poisson. C'est dommage que c'est simplement une question de discours, pas de quantité de preuves. Non, et d'informations, mais c'est là, tu as eu le courriel que je vous envoyais à Pierre et à toi, et il y a quelque chose, je pense, mais en restant évidemment dans la légalité, mais qu'est-ce qu'on peut faire à suivre? Je vais attendre votre retour là-dessus. Oui, d'ailleurs, je l'ai lu, puis il y a... Bon, pour ça, Jacinthe veut faire des études cliniques sur plusieurs de ses produits dans différentes indications, notamment ses écrans solaires ou ses filtres naturels, ce qui est très louable, mais c'est compliqué. Et le prédiabète et le TDA. Bon, oui, tout ça. Je voulais juste parler de celui-là parce que c'est un concept qui n'est pas approuvé en ce moment. Tu n'as pas le droit de dire que telle plante ou tel produit ou telle huile essentielle a un effet pour le filtre. Par contre, on a deux possibilités pour aller dire à Santé Canada, regarde, ce qu'on dit, c'est vrai. On peut faire une étude clinique structurée. Ça, c'est la job de Pierre. Il sait comment faire, il sait tout ça. Moi, je connais, mais je ne suis pas assez pour être important. L'autre côté, c'est une enquête. C'est-à-dire que ce n'est pas de dire, notre étude, il y a un groupe placebo, puis il y a un groupe traitement, puis on va faire ça, puis on a des paramètres. On peut aussi juste faire une enquête avec un questionnaire chez des utilisateurs. Ça ne vaut rien pour Santé Canada, mais maudit que c'est c'est ça que je me dis. Est-ce qu'on a besoin, si on a les preuves du monde, c'est parce que c'est vous qui m'avez réveillé là-dessus. Docteur Brouillard, puis toi, à un moment donné, dans une émission, vous avez dit, Jacinthe, est-ce que ça marche pour toi? Bon, mais c'en est une preuve, tu sais. Je me dis, est-ce qu'on a besoin, oui, aux recherches scientifiques, puis on en a, je pense, une centaine d'allégations thérapeutiques prouvées, démontrées scientifiquement, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Mais si ça marche chez les gens, si les gens se retrouvent bien avec un mélange comme le Focus, les Oméga, qui n'ont plus de bruit dans la tête, que leurs enfants de 9-10 ans peuvent se concentrer et retrouvent une estime d'eux-mêmes et s'en vont à l'école de façon positive le matin au lieu de s'en aller vers la dépression. Si les gens n'ont plus besoin de prendre des médicaments parce qu'ils sont en prédiabète, je me dis, hey, est-ce qu'on a besoin d'attendre 2 ans? Le problème, c'est que tu touches un point hyper important entre l'information est là et j'ai le droit de le dire. Ouais. Deux mondes. Ouais. Et c'est là où je te disais tantôt, Santé Canada, c'est un gestionnaire de risque. Ouais. Il cherche le problème puis il veut éviter le problème. Un entrepreneur, un individu cherche l'opportunité. C'est-tu bon pour moi? Je vais le faire. Alors, on n'est pas du tout dans la même sphère. Puis c'est là où il faut aller au-delà de, oui, on va bâtir un dossier scientifique. Ta consultante, Sylvie, est extraordinaire de sa façon de bâtir des affaires, je la trouve. Tu sais, puis quand tu m'envoies des questions, c'est pointu. Là, je fais des recherches, tu sais. Mais c'est oui, pas genre, fais ma job à ma place. Non, la job est faite, j'aime ça. Oui, c'est extraordinaire. Je comprends les mots qui sont dans les échanges. Mais c'est fascinant. C'est vraiment, vraiment fascinant. OK. Fait que je voulais juste mentionner aux gens que quand on a des mélanges d'épices ou des aliments, on ne peut pas donner d'allégations thérapeutiques. On peut pas dire, même, on peut même pas donner de posologie. On peut pas dire prenez une cuillère, deux cuillères, prenez bon, il y a des allégations qui sont maintenant permises sur les aliments thérapeutiques, mais c'est souvent des allégations contenues, des allégations soft, pas des allégations thérapeutiques. Genre, Cheerios a eu le droit de mettre que ça aide contre le cholestérol. Pourquoi? Pas parce que c'est vrai. Excusez, c'est pas vrai. C'est parce que c'est fait avec de l'avoine et l'avoine contenant des fibres qui vont aider à baisser le cholestérol. Hey, mais tu n'auras jamais la dose dans ton bol de Cheerios, OK? Franchement, c'est bon. OK, je veux juste... Ben, après ça, je vais tomber sur mon autre sujet, mais je saute là-dessus, OK? Parce que on parle justement des fibres. Tu sais, la semaine dernière, j'essayais de mettre le doigt dessus parce que pour moi, des fibres, bon, que ce soit des fibres solubles, insolubles, tu sais, t'en as qui grattent les parois intestinales puis qui vont ramasser, tu sais, ce qui peut être, ils vont décrasser. Parce que j'ai le droit de le dire, tu l'utilises, ce mot-là, décrasser. Ouais. OK, quand t'as justement des colorants, des affaires, qui n'ont pas d'affaires là, ce qui va gratter, les fibres qui vont gratter vont venir faire un certain travail. On ne veut pas avoir un intestin immaculé parce que ça prend un microbiote et des bactéries. On est d'accord là-dessus. Mais les fibres,
gratouillent et vont faire un certain ménage, tandis que les autres vont prendre un volume, une masse, et vont faire un autre travail pour le mouvement, pour être régulier, tout ça. Moi, j'ai toujours eu l'impression que des fibres entières crues faisaient mieux. Je sais que tu n'aimes pas le cru. Non, c'est pas ça. Attends une minute, je t'arrête tout de suite. C'est pas le fait d'être cru que j'aime pas. C'est tout ce mouvement qui disait que parce que c'est cru, c'est meilleur. Et ça a amené à des extrêmes. Puis tu m'as dit. Que du cru, des crudivores qui ne mangent que du cru. C'est ça. Bien, à moins 1 million au mois de janvier, février, mars, excuse-moi, manger cru 100%, tu te sens pas bien. Il y a quelque chose de pas correct. C'est ça mon problème. C'est toujours les extrêmes. Parfait. Donc moi, j'avais l'impression que des fibres entières crues, des fibres de psyllium, des fibres d'acacia, des fibres de légumes, des fibres de fruits, sont plus performants quand c'est cru et entier que des fibres d'avoine incluses dans des Cheerios. Ou... 100% d'accord. Ah! OK. 100% d'accord parce que tu touches une chose importante. C'est la notion de « dans l'aliment ». Personnellement, qu'il soit cru ou pas sûr qu'il y a de grosses différences au niveau des fibres. Uh-huh. Un jour, on va me trouver la preuve, je vais changer d'opinion. Mais là, je ne suis pas convaincu. Okay. Là où je suis tout à fait convaincu, c'est que tu vas avoir un meilleur bénéfice de tes fibres dans l'aliment que des fibres extraites de l'aliment. Alors, par exemple, tu manges ta salade complète, mettons. C'est full fibres, cette affaire-là. Puis, je considère que les fibres dans l'aliment vont avoir plus d'impact parce qu'ils viennent avec plein d'affaires, des minéraux, des vitamines, des polyphénols, que sais-je. Et donc, tu as un cocktail de l'aliment. Tu sais, la prémisse de ton discours alimentaire, du mien, celui de Valérie, c'est commencer à manger des vrais aliments. Ouais. Puis après ça, on verra d'autres choses. Pas des codes barres. Pas des codes barres. On mange pas. Exactement. Alors, c'est ça. C'est donc la notion que tu auras toujours plus dans un aliment complet que dans une fraction. OK. Que penses-tu du gruau? Parce que c'est drôle. Le gruau, c'est... Non, mais... C'est beaucoup de glucides. C'est ça l'affaire. C'est que, OK, mettons-le, moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un certain quota de fibres que ça nous prend par jour pour avoir un beau mouvement, mais tu le dis, ça démontre. C'est variable d'une personne à l'autre. C'est ça. Et que chez certaines personnes, comme des jeunes qui devaient se tourner vers un régime strict cétogène, qui mangeaient que de la viande ou que de la. Pour de. Juste très, certaines... très peu de fibres, puis ils ont des selles faciles, quotidiennes. Bon. L'avoine, le gruau. Un des problèmes avec tous les grains, toutes, okay, c'est que le ratio entre nutrition intéressante et glucides est disproportionné. Tu as trop de glucides par rapport à. Ce qui fait que si tu manges un gruau pour déjeuner, souvent, tu vas l'aromatiser avec du sirop d'érable ou d'autres choses, avec des petits fruits. Fait que ton total de glucides du matin par rapport aux autres gros macronutriments, protéines et lipides, ben, tu as énormément de glucides, très peu des deux autres. Fait qu'est-ce qui se passe? Une heure et demie plus tard, tu craches, tu as faim, tu vas arracher la tête du voisin. Ou encore, mettons, tant mieux, tu n'as pas ce problème-là, tu serves jusqu'au dîner, mais là, ta glycémie fait des yo-yo. Puis, tu te ramasses avec une glycémie élevée, des triglycérides élevés, une réalité métabolique en mauvais état, ce qu'on appelle de plus en plus des obèses minces. Ah. Ah. Là, on en a parlé, je t'ai cité Asim Malhotra qui dit « il n'y a pas de poids santé, il n'y a qu'une santé métabolique oui. ». Oui, alors, tu sais, moi, j'ai un IMC, un indice de masse corporelle, loin au-dessus de la norme santé, qui est genre 19,5, 25, moi, j'étais à 27. Puis, c'est pas parce que j'ai un pourcentage de gras élevé, je suis en bas de 15. Pourquoi? Parce que j'ai une foutue masse musculaire que j'entretiens, que je développe depuis des années, puis que je considère que c'est un bénéfice pour moi de le faire. Alors, je ne rentre pas dans la statistique. Mais ta caricature. Moi aussi, j'entretiens ma masse musculaire. Ben oui, j'ai vu ta photo. Tiens, toi. Et pas mal grâce à toi, parce que même si je m'entraînais avant, puis on me disait « entraîne-toi, si tu veux développer une masse musculaire, entraîne-toi », mais il manquait dans l'équation des protéines. C'est ça. Ouais. Donc, alors, quelqu'un dit « c'est pas facile de manger parce qu'on lui enlève le gruau ». Tu sais, je peux comprendre des fois des réflexes, mais tu sais, quand on parle des glucides, qu'il y a trop de glucides dans notre assiette, moi, tu sais, je te reprends et tu dis « pâte, pain, patate, riz », mais il faut que, tu sais, les céréales, ça rentre là-dedans. Parce que les gens, et
on a été habitué depuis 50 ans à manger Bingo. Comme ça. Donc, c'est ce qui se passe et l'industrie alimentaire s'est adaptée. Le guide alimentaire depuis les années 70 est beaucoup plus le fruit du lobby industriel que de la réalité santé des gens. C'est très dommage qu'on l'ait endossé par toutes sortes de corporations. Et l'idée, ce n'est pas de vilipender le gruau, il est interdit. Non, regarde et prends conscience de ce qui est dans ton assiette, prends le temps d'analyser. Glucides nets, c'est glucides total moins fibres, ça fait ça. Mets-toi un budget de glucides, habituellement 30 grammes pour un déjeuner, c'est en masse, va pas plus haut que ça. Mais assure-toi d'avoir gras et protéines. Donc, ton gruau, tu le veux, cool, réduis-le, puis mange d'autres choses à côté. C'est là la notion d'équilibre. Puis c'est ce faisant, tu pourras décider de faire quelque chose genre gruau avec un petit peu d'avoine, un peu de chia, un peu de graines plus protéiques comme du chanvre ou encore d'autres sources de protéines comme un œuf ou deux. Puis là, tu vas surfer ton matin, là, tu vas être l'exemple de la crème Budwig des années 80-90 où Madame Cousmine est arrivée, nous a toutes dit « Écoutez vos corps, blablabla, bla, bla, vous allez… » Bon, bon. Elle a changé la mentalité d'une génération complète, c'est ça qu'il faut faire. Donc, le pudding de chia, comme Valérie le fait pendant l'émission, pour quelqu'un qui aime manger un gruau, c'est quelque chose de mou, un pudding de chia et avec du beurre d'amande, elle rajoute des protéines dedans. Avec des Bingo! Pâtes. Voilà. Et l'équilibre. Il y a des pains aussi qui sont meilleurs que d'autres, comme ton pain de noix. Toi, tu manges de la viande, donc tu rajoutes des crotons dessus. Ça peut être autre chose. Un steak de protéines, si on est rapide. Je sais que c'est mieux de manger des aliments. Mais quand on... Tout ce qui est beurre de noix, quelqu'un parlait de crêpes, elle dit, ben, si vous rajoutez un peu de protéines dans les crêpes ou par-dessus, au lieu de en tout cas, il y a beaucoup, oui. Il y a plein, l'idée, c'est que pour aller par là, il faut sortir du tout fait. Il faut prendre la décision et trouver les moyens qui nous confortent pour que notre déjeuner satisfasse et nos besoins nutritionnels et nos besoins psychologiques. Parce que le déjeuner, c'est le repas le plus ancré dans les habitudes. Oui. Et des œufs, c'est correct à tous les jours, Judith. Absolument! Ça, c'est Jean-Yves qui le dit, c'est pas moi. Ah, puis je vais le répéter jusqu'à ce que... Puis c'est bien prouvé. Un, on a dit que les œufs, c'était dangereux, pas plus que deux par semaine, parce que ça contient du cholestérol. Il y a zéro lien, puis là, je me répète, zéro lien entre le cholestérol alimentaire et le cholestérol sanguin. OK? Il y a des végétaliens qui mangent zéro dérivé animaux. Le cholestérol, c'est une substance animale. Elle n'est pas végétale. Et qui ont du cholestérol dans le plafond. OK? Alors, c'est pas nécessaire le lien entre les deux. Et on a vilipendé les œufs pour des mauvaises raisons. C'est un aliment extraordinaire qui est une source de lécithine, de bon gras pour le cerveau. Garde, go. Par contre, là comme ailleurs, par les qualités. Ah! Donc, des œufs de poule en liberté. Je ne sais pas si sont vraiment en liberté. Mais au moins au Québec, c'est mieux qu'ailleurs, OK? Il y a des poules en liberté. Ils ne vont peut-être pas dehors parce qu'à moins 30, ils n'iront pas, là. Mais ils ne sont pas en cage. On ne leur coupe pas le bec, par exemple. C'est des horreurs de l'industrie. Mais il y a des trucs bio. Ils coûtent un petit peu beaucoup plus cher. Il y a des œufs fermiers. Si vous avez la capacité d'avoir quelqu'un qui fait des œufs plus traditionnels, mais les œufs fermiers, c'est toujours du petit volume parce qu'à cause de l'UPA, ils ne peuvent pas avoir 100 poules. C'est en bas de 100 poules, donc jusqu'à 99. Si vous avez la capacité de le faire vous-même, bien cool, amusez-vous. Hein, des poules, c'est des omnivores. Ça aime manger des bébites, des restants de table, toutes sortes d'affaires. Amusez-vous. Faites-le. Une, deux, trois poules. Donnez des œufs à vos voisins, si vous pouvez le faire. OK. Le sucre. Oui. On en parle, puis on est d'accord. Puis moi-même, à votre contact, Valérie et toi, j'ai réalisé que j'avais une alimentation faible en glucides, même si je prends ce matin un verre de smoothie et si je prends un jus vert dans la journée. Mais budget de glucides. C'est ça. Tout est là. Je mange pas de pain, je mange pas de pâte, je mange pas de céréales, tout ça. Des fois, des patates. Mais maintenant, on cuit nos patates et même dans nos cuisines. Et on les refroidit. Je les écris sur les étiquettes. Les patates sont cuites, sont au frigidaire, puis après ça, on les remet dans les soupes. Si on Bingo. Mange une soupe avec des patates, les j'écris. Selon Jean-Yves, non. Mais, j'espère que ça ne va pas tomber sur la tête, cette affaire-là. Mais bon, go, c'est vrai. Donc, anyway. On est conscient des glucides, mais après ça, les gens deviennent un peu trop intenses, je trouve. Il y a combien de glucides, par exemple, dans un mélange de verre ou dans la salade ou dans telle affaire? Là, je fais, hey, comment okay. on peut se calmer par rapport à ça bon. En étant conscient de ça? Puis ton point est très, très bon. Il faut éviter de rentrer dans une religion alimentaire, OK? Il n'y en a pas une qui est bonne.
pas compliqué. Même le faible en glucides, ce n'est pas une religion. Et de plus en plus, tu entends les experts parler de flexibilité métabolique. Donc, tu as beau être céto super strict pour des raisons X, sauf pour l'épilepsie, tu vas vouloir avoir une journée de triche une fois de temps en temps pour que ton corps garde la capacité de gérer des glucides. Autrement, il va la perdre un jour. Ah, on veut être flexible. Hey, alors, oui, c'est intéressant. Puis ça sort un peu partout. Je suis en train de lire Dale Bredesen, le Recode, là, la fin de l'Alzheimer. Là. C'est fascinant, son travail. Là. Puis lui, c'en est un qui parle depuis des années. Les maladies, ce n'est pas une cause. Il y a plusieurs types avec des symptômes similaires. Et quand tu identifies les types, le traitement devient beaucoup plus intéressant, mais c'est de la gestion d'un paquet d'affaires. Ce n'est pas un médicament, ça ne marchera jamais dans l'Alzheimer. Pas compliqué, là. Les médicaments ne marchent pas. Point. Puis ça, je vais tenir mon bout devant n'importe qui. Ça va aider de façon transitoire, mais ça ne change pas la progression. Puis chez bien des gens, ça ne donne même pas d'effet bénéfice. Par contre, revenons à ta question, de virer fou sur les glucides, c'est un peu absurde. OK? Souvent, moi, je vais dire aux gens, tout ce qui est légumes hors terre, tu n'as même pas besoin de les compter. Alors, tous tes feuillages, par exemple, tu vas avoir 1 à 2 grammes de glucides par 100 grammes d'aliments. Tu vas t'écœurer de manger de la salade avant de buster ton budget de glucides. Dans ton complet ou un autre truc de poudre de plantes vertes, le ratio, peu importe, mets-le à 50. C'est pas vrai? Mets-le à 50%. Tu prends 5 grammes dans ta cuillerée. Tu as donc 2 grammes de glucides. Est-ce qu'on s'en fout un peu? OK. T'sais, c'est là où il faut sortir de la folie furieuse. Le sirop d'érable est péché mortel. OK, j'en ai mis mon déjeuner, mettons, là, il y a mon déjeuner à moi. Il apparaît 5 grammes de glucides dans mon déjeuner. Mettons que j'ai la dent sucrée un matin, je décide de mettre du sirop d'érable dessus. C'est 5 grammes de plus. C'est là où il faut arrêter de penser obsession à quelque chose et penser intelligence, ce que moi j'appelle l'intelligence métabolique. Comprends ton métabolisme, puis joue avec. Mmh. Ah, ben, Gadon, tu viens de comprendre quelque chose. Parce que c'est plus, il faut absolument faire ça. C'est, OK, moi, j'ai telle marge de manœuvre, puis quand je sors de ça, j'ai une facture à payer. Ah, plus même discours. Tu sais? Okay. C'est ça qui est différent. Parfait. Donc, je t'envoie, ça part aujourd'hui, le Chavanprah. Oui, j'ai hâte de goûter à cette affaire-là, là. Ça me fascine. Et le Jabulan aussi, que j'ai réussi finalement, parce qu'au début, on m'avait envoyé des feuilles avec d'autres mélanges. Là, je disais, non, moi, je veux la vraie affaire, seule pure. Fait que je t'en envoie aussi pour que tu puisses voir. J'ai déjà goûté. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu tombes... Là, je vais m'amuser un petit peu au détriment de mes amis herboristes. La plupart des plantes médicinales, ça goûte pas bon. Oui. Mmh? Ouais. Ça goûte amer, ça goûte bizarre. Le Jabulan, un peu comme... Mon hibiscus, là, ça goûte bon. OK? Oui. C'est une plante qui goûte bon, qui est traditionnellement, on l'appelle, c'est une des plantes de longue vie. Puis on ne sait pas trop si c'est parce que c'est vraiment vrai, je n'ai pas trouvé tellement de preuves que ça agit sur des voies du vieillissement, mais c'est utilisé par des populations âgées dans plusieurs pays, notamment au Japon. Alors tu fais comme, OK, puis ça goûte bon. Alors tu as des bénéfices antioxydants, meilleure gestion des glucides avec cette plante-là. Cool! Regarde, ça m'aide. Mon chum, ça le calme, il arrive à mieux dormir le soir. Donc, tu sais, j'imagine un effet adaptogène. Donc, ça rentre dans la gang des adaptogènes, absolument. Je n'ai pas trouvé d'effet stimulant, donc oui, tout à fait, le soir, c'est parfait. Non, c'est une plante, le fun. C'est vraiment quelque chose à découvrir. On peut la reprendre deux fois, puis après ça, on peut la manger. Tu pourrais la mettre dans ton omelette, par exemple. Tu sais, les feuilles, là. Ah ouais? OK, ouais, tu m'apprends quelque chose. Tu peux les manger par la suite. C'est eux qui nous ont dit ça. Donc, adaptogène, là, parce que je t'ai demandé une formule qui va nous aider à garder de l'énergie, mais sans nous stresser, sans stresser notre système. Donc, adaptogène, c'est ça. C'est des plantes qui nous aident. Bon, commençons par la définition. OK, la définition du mot adaptogène, ça nous vient de la Russie de 1957, d'Ardiva, blablabla. C'est... une substance qui augmente la résistance non spécifique au stress, qui t'aide à t'adapter. Alors, ceci étant dit, puis là, la définition continue, parce qu'il y a plein de paramètres, mais en gros, c'est pas un stimulant, puis c'est pas un calmant, c'est quelque part entre les deux. Un ginseng, par exemple, ça va t'augmenter ton énergie vitale, ton chi, mais c'est pas un stimulant comme la caféine. OK? Et donc, il y a de plus en plus de plantes qu'on met dans cette grosse boîte-là. Les gens de la pharmacologie, Pierre, n'aime pas le mot adaptogène pour une raison. On ne sait pas pourquoi. On n'a pas les mécanismes d'action. Puis ça varie d'une plante à l'autre.
on est dans l'empirique. Ah. Alors donc, le mot, il y a de la controverse encore aujourd'hui parce que c'est flou. OK, je comprends. Merci. Merci. Pour moi-même, c'était flou, donc je suis contente que tu t'entretiennes le flou, donc c'est flou, mais... Puis on est confortable avec le flou. Pouf! Oui, mais ça rentre dans des plantes, les plantes, les épices, comme tu disais tantôt, c'est bourré de micronutriments, mais encore, il n'y a pas d'analyse, tu sais, là-dessus. Mais c'est qu'il faut, pour comprendre ça, c'est qu'il faut aller dans la recherche et trouver plante par plante, produit par produit, principe actif. À un moment donné, ça devient étourdissant. Tu sais, le gingembre, c'est bon pour la nausée. Oui, les gingéroles sont stimulants. Puis là, je peux m'amuser comme ça longtemps. Mangez donc du gingembre, cassez-moi pas les pieds. Tu sais, puis à un moment donné, tu fais le tour de ça. Puis très souvent, moi, je me suis amusé, d'ailleurs, si jamais vous allez sur mon blog, vous cherchez la route des épices, il y a une douzaine d'articles sur différentes plantes. Puis je finis souvent... Celle-là aussi est réputée aphrodisiaque. Parce que bien les plantes sont aphrodisiaques. Vois, finalement, les plantes aphrodisiaques, c'est toutes des plantes qui vont aider contre la fatigue. J'aime ça. Fait que, les épices, les fines herbes, le romarin, petite plante banale que tout le monde a dans sa cuisine, c'est une plante extraordinaire pour le foie. En France, on va dire des extraits de romarin en ampoule pour le foie. On ne le sait pas ici, mais mangez-en. Autre chose... Je vais remonter dans le temps, là. Il y avait une réputation chez les Grecs que le romarin était bon pour la mémoire. Et Shakespeare a dit dans une de ses pièces, « Rosemary, that's for memory. » Et on a des recherches maintenant qui montrent que ça augmente les neurotransmetteurs de la mémoire. Alors, tu sais... Donc, pas t'en prends. Oui, mais toujours en termes d'épices et fines herbes, toujours la même philosophie. J'en mets beaucoup partout. Mais je varie. J'ai jamais la même affaire tous les jours. OK. Et revenons au concentré ayurvédique que je t'envoie. Il y a 44-45 épices dans le texte ancien. Je pense qu'il y en avait 50, mais là, eux... Mais là, il y en a 8 qui ont été retirés, parce que j'ai bouquiné. Quand tu me poses des questions, je cherche. Et il y en a 8 qui sont des plantes rares. Fait qu'on a décidé de les enlever de la recette, parce que la recette originale, il y a des plantes rares qui poussent dans des environnements, tu sais, genre la plante qui pousse dans la montagne, dans telle vallée, il n'y en a pas ailleurs. Là. Fait que quand tu veux faire un produit pour la masse, pour tout le monde, tu oublies ça, à moins de trouver une façon de la cultiver. Mais les plantes rares sont rares pour une bonne raison. Ils sont adaptés à une niche écologique très, très étroite, tu les sors de là, ils ne poussent plus. T'sais? Donc, même s'il y a du sucre, tu vas quand même en prendre. Ah, je veux y goûter. Sucre, c'est une base de miel, OK? Ouais. Si la recette est traditionnelle. Ouais. Puis c'est encore, je reviens à la même chose, c'est une notion d'équilibre. Parfait. Et on s'entend-tu que dans le miel, je sais qu'il y a moi, je me considère végane, mais j'ai des ruches et je n'exploite pas mes abeilles. Elles sont en santé et fortes et je les nourris et je plante pour elles. J'ai même bâti un écosystème pour elles. J'aime mes abeilles, mais il y a toujours ça déborde à un moment donné. Donc, on prend le miel qui déborde. Bingo! On s'entend-tu que, oui, il y a du sucre, mais il y a aussi d'autres affaires dans le miel. Quand tu parles des... On va être chauvin deux minutes, OK? On est Québécois, profitons-en. On a deux sucres naturels ici qui sont non transformés. Le miel et le sirop d'érable. Le sirop d'érable, la seule transformation qu'on fait, on le fait bouillir. On enlève de l'eau. Ce qui fait qu'il caramélise. Donc, le sucre est moins biodisponible. Un caramel, c'est du sucre transformé par la chaleur, puis il est moins absorbable. Mais ça reste des trucs intéressants parce que, étant donné qu'ils ne sont pas raffinés, ils sont bruts, viennent avec un paquet de contaminants. C'est plus juste du sucre. Dans le cas du sirop d'érable, tu as une pochetée de minéraux, puis tu as des petites molécules comme l'acide abscisique que j'adore, qui m'aide à métaboliser le sucre que je viens de manger. Bon, dans le miel, c'est différent. Dans le miel, tu as des trucs qui arrivent de la fleur. Alors, tu vas avoir des minéraux aussi, mais toujours en très, 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 très petite quantité. C'est d'abord du sucre. Puis dans la logique, je ne veux pas trop de sucre dans mon affaire. Mais d'en manger une fois de temps en temps, soit. Et il y a aussi des molécules de type polyphénol qui arrivent des différentes fleurs qui ont été utilisées. C'est pour ça que ton miel de sarrasin, il est brun. Ton miel de trèfle, il est pâle, pâle, pâle. Ton miel de forêt, il est d'autres. Tous les miels ont des personnalités. Il y a aussi des traces de d'autres choses, comme des résines, comme ta cire. Alors, on a beau le barrette l'enlever, il reste quand même un peu. Un bon miel, il est complexe. Faites attention, il y a beaucoup de miel sur le marché qui arrive de Chine. Et on ne sait pas trop ça. Faites attention. Mais toujours est-il que ça reste un aliment intéressant, avec parcimonie, on s'entend. Mais intéressant, pareil. Intelligence et pas d'obsession.
Est-ce que des, je sais qu'on ne mange pas, on n'est pas crudivore, je ne suis pas crudivore non plus, mais je mange ma salade crue. Est-ce que le cru donne plus d'énergie que le cuit? Si tu te fies aux grands tenants du cru, vont tous répondre oui à cause de la notion d'énergie vitale de l'aliment. Je te dirais que si tu comparais les mêmes aliments crus, cuits, même quantité, probablement que oui. Parce que l'aliment cru contient beaucoup d'ingrédients qui permettent de le digérer, notamment des enzymes. Hein, prenons un exemple. Là. Trois exemples pour expliquer ça. Le premier exemple, c'est ta salade, tu la laisses sur le comptoir, elle sèche, puis maintenant elle se met à moisir, puis elle bouge, puis il y a d'autres choses. La même salade, tu la fais cuire au micro-ondes, elle va toffer plus longtemps, puis elle va se mettre à moisir aussi, puis tu n'auras pas le mouvement, changement, la vraie fermentation, tu as tout de suite. Troisième exemple, un Big Mac. Tu le laisses sur le comptoir, il ne bouge pas. Il ne moisit pas, il ne fait rien, il ne bouge pas. Tu viens de comprendre. Alors, probablement, ce n'est pas nécessairement que la salade crue te donne plus d'énergie, comme elle est probablement plus digeste. Si et seulement si vous n'avez pas un intestin irritable qui vous empêche de bénéficier de tout ça parce que ça ballonne. Ça, c'est d'autres choses. Parfait. Qu'est-ce qui fait qu'un mélange de verre, un peu comme mon complet, combiné au collagène, a fait en sorte qu'une personne qui était constipée depuis des années ait retrouvé un mouvement? Comment t'expliques ça? Sérieusement, je ne le sais pas. Je ne peux pas te répondre. Tu touches le point que j'ai touché tantôt. Je suis persuadé que la même quantité de fibres dans l'aliment est plus efficace que la fibre isolée. Ton complet, c'est l'aliment complet. C'est des plantes séchées. C'est pas j'ai sorti la fibre comme la fibre de psyllium tout seul. Remarque, le psyllium, c'est quasiment pur parce qu'on fait juste broyer la graine. Mais allons vers, je sais pas moi, de l'inuline pure ou n'importe quoi d'autre. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi chez cette personne-là. Ce que je peux postuler, c'est que parce que c'est des trucs complets, il y a un rôle du microbiote là-dedans qui embarque. Mais pourquoi, comment, Et je j'avais postule ici. pensé, comme il y avait du collagène, moi je me demandais s'il n'y avait pas un rôle des protéines là-dedans. T'sais, si quelqu'un manque de Peut-être. protéines, est-ce que ça, le métabolisme est moins soutenu? En tout cas, en fait, on n'a pas d'explication pour ça. J'ai pas d'explication. Ta théorie est aussi bonne que la mienne. D et K, une combinaison D et K, est-ce qu'on en Oui. prend autant qu'une D? C'est ton équation 50 unités Oui. par kilo corporel quand on a un Oui. mélange de D et K. La vitamine D a besoin de cofacteurs pour être efficace. La notion que certains cofacteurs augmentent l'absorption n'est pas sûre. Là, oui, mais pas sûr. L'idée, c'est que pour la rendre plus efficace dans ses différentes fonctions, on qualifie la vitamine D avec un beau grand mot, pour jouer au Scrabble avec, qui s'appelle pléiotropique. En français, qui agit sur plusieurs cibles, particulièrement génétiques. Et donc, la vitamine D agit sur plein de choses. On connaît le calcium, mais aussi l'immunité, la division cellulaire, l'inflammation, la gestion des paramètres d'inflammation à l'intérieur de la cellule. Bon, name it, il y en a plein. La neuroplasticité. La vitamine K devient un cofacteur, un peu comme le magnésium, pour faciliter certaines fonctions. Au point d'être synergique. Exemple, le transport du calcium se fait par une molécule qu'on appelle l'ostéocalcine. La synthèse de ça est dépendante de la vitamine D, mais l'activation dépendante de la vitamine K. Action complémentaire. Et c'est là où, non, change pas ta dose parce que tu prends de la K avec. Et on est pris, encore là, gestionnaire de risque, Santé Canada nous plafonne la dose à 120 microgrammes de vitamine K. Parce que c'est l'apport nutritionnel maximal chez l'homme, mais il n'y a pas d'apport maximal tolérable. Il n'y a pas de dose dangereuse. Fait qu'il y a une contradiction là. Tu sais, la B12 puis la K, il n'y a pas de plafond. Tu ne peux pas dépasser un plafond dangereux, il n'y en a pas. Alors, ça, c'est une chose. Et donc, si tu vas voir les études cliniques qui ont été faites, entre autres, dans l'ostéoporose, principalement au Japon, tu vas t'apercevoir que les doses commencent à 5 mg, c'est 5 000 microgrammes, là, et vont jusqu'à 45 microgrammes. 45 mg, donc 45 000 microgrammes. T'es loin du 120, là. C'est pour ça que je dis aux gens, prenez le ratio 1 000 unités de vitamine D, 120 microgrammes de vitamine K, idéalement la MK7, parce qu'elle est mieux retenue dans les tissus et reste plus longtemps. Alors, ton taux sanguin est meilleur. Et vas-y avec ta dose au poids de la vitamine D, puis la vitamine K va suivre avec. Et pourquoi tu voulais du cuivre avec le zinc? Bon, le cuivre en petite dose, je ne suis pas un fan des grosses doses parce qu'il y a une notion de ratio. Les gens qui prennent des doses longue durée,
À 15 mg et plus bas, je m'en fous. Mais à 30 mg et plus, il y a une notion d'équilibre entre le calcium, zinc et le cuivre. On estime le ratio qui devrait être 11 pour 1. 11 zinc pour 1 cuivre. Mais dans la société actuelle, on vit à peu près tout dans des maisons où la tuyauterie est en cuivre et le cuivre passe dans l'eau en microgrammes, mais assez pour être absorbé. Alors, il y a très peu de gens qui manquent de cuivre. Les gens qui vont prendre des doses un peu trop élevées de zinc risquent une carence relative. Trop de l'un par rapport à l'autre. Pas parce qu'ils manquent de l'autre. C'est pour ça que quand on en a parlé, je t'ai dit, dépasse pas l'apport nutritionnel de 900 microgrammes de cuivre, parce que si tu vas comme certains produits où tu as 15 plus 2, ben là, à un moment donné, tu vas avoir trop de cuivre. Et le cuivre, quand il est en excès, un peu comme le fer quand il est en excès, devient pro-oxydant et est associé à plus de maladies cardiaques, etc., à éviter le surplus. OK, mais ça en prend un peu. Bien, surtout si c'est utilisé à long terme. Alors, dans une multi, par exemple, c'est clair que je mets du cuivre. OK. Okay. Dans un supplément de zinc, si tu le prends pour le rhume, peut-être pas intéressant. Ça dépend de la durée. Parfait. Et tu n'avais pas parlé que dans la chlorophylle, il n'y avait pas un lien avec le cuivre dans la chlorophylle? C'est quoi ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité ou la très, 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 très grande majorité des chlorophylles qu'on a en liquide, c'est plus de la chlorophylle, c'est de la chlorophylline. Au sens où, dans la plante, dans ta luzerne, dans ton kale, dans toutes les plantes vertes, tu as de la chlorophylle qui est un atome, une molécule qui ressemble beaucoup, beaucoup à notre hémoglobine. Mais au lieu d'avoir du fer dedans, c'est du magnésium. Quand on l'extrait, puis qu'on la stabilise pour qu'elle devienne soluble, on change le magnésium pour du cuivre. D'où le nom chlorophylline au lieu de chlorophylle. Alors, c'est là que, OK, on a les bénéfices de désodorisant. Je reviens souvent avec ça parce qu'il y a des très belles études où les gens qui ont une odeur corporelle se mettent à prendre de la chlorophylle, puis l'odeur corporelle s'en va. Il y a des gens qui dégagent une odeur désagréable, odeur souvent associée à une molécule particulière qui sent le poisson, mais ça, c'est autre. Puis là, hop, ça s'en va. Fait que tu as ça. Les autres, on est bien dans le flou, là. Il y a des anecdotes. Tu es porteuse d'un message de tes clientes qui t'envoient des témoignages. Je ne nie pas du tout ça. Mais il n'y a pas de preuve. Je n'ai pas la preuve publiée. C'est puis ça. Tantôt, il y a un message qui a passé pour vous de l'empirique. Je veux juste parler de ça. Ouais. On parle souvent de la médecine basée sur les données probantes, la evidence-based medicine. Puis on a tordu ça dans le monde médical, je m'inclus là-dedans, à dire la science publiée. Non. Le evidence-based tel que conçu par Sackett, c'est trois pattes. La science publiée de qualité, la personne devant moi, les besoins, les signaux que je reçois, ses valeurs, et mon instinct thérapeutique, qui est tout aussi important que les deux autres, parce que c'est lui qui fait la transition entre l'un et l'autre. Alors, personne devant moi, c'est jamais une statistique, là. C'est un individu avec des plus, des moins, des qualités, des défauts. Je travaille avec cette personne-là. Il y a trois affaires. Puis on a omis ça pour rien qu'un. Je me suis même déjà fait dire par une collègue pharmacienne, je ne peux pas me baser à mon expérience, pas scientifique. Non, c'est la base de la science. Bravo, 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 bravo. Juste parce qu'il y avait une question qui est passée, quelqu'un disait qu'elle prenait juste une capsule d'oméga-3, c'est mieux une que pas du tout. C'est mieux une que zéro, mais si on est dans le monde des indications thérapeutiques, les doses sont méchamment plus élevées. Si on a un problème de digestion, assurez-vous de le prendre au début du repas. Et s'il y a toujours le problème de petits rapports désagréables, faites un traitement pour le foie, Chardon-Marie ou autre, pour aider à mieux digérer. OK, puis vitamine D, c'est correct, même si quelqu'un prend de la vitamine D et qu'il n'y a pas de cas dedans. Oui. C'est juste que dans certains cas, les gens qui vont prendre des doses importantes de vitamine D, mais où il y aurait une carence d'un des cofacteurs, la carence va devenir plus évidente. Fait que c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. D'ailleurs, moi, je recommande la vitamine K, pas à tout le monde. OK. Aux ça dépend plus. Du cas. Aux femmes plus, aux personnes minces où il y a plus de risques de se faire dire qu'il y a de l'ostéoporose. Notez les guillemets, là, parce que ça, c'est une autre maladie inventée dans bien des cas. Pas toujours, des fois, c'est vrai. Mais bon, l'approche thérapeutique est questionnable, disons. C'était extraordinaire. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de répondre aux questions. J'avais comme une page de questions, mais... On les fera en rafale la prochaine fois. Tu sais, toc, 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 toc. C'est ça. Bon stress, bad stress, c'est ton livre. Toute la base est dedans et le livre est disponible en France, mais aussi sur nos sites, notre site Maison de Sainte, dans nos maisons. Puis ce soir, ton webinaire, 30 ans de plus en santé.
ybdionne.com et vous avez aussi les consultations, le lien vers les consultations et vers ton blog. Super, où toutes les informations sont là. Moi, j'aime beaucoup le charbon activé. Il y a plusieurs questions là-dessus. On en parlera. On en parlera du charbon activé, puis ça vaut la peine de faire en long et en large. J'ai fait toute une présentation pour des naturopathes là-dessus. Oui, c'est intéressant. Puis migraine aussi. Quand le sel ne fonctionne pas, là, quand la lichée de sel ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour les... D'ailleurs, c'est le thème de mon prochain webinaire sur lequel je travaille en ce moment. C'est migraines et céphalées. Oui, quand la graine fait mal. Je ne sais pas le titre encore, là, mais tout ce qui fait mal, là, en montant, là, ça s'en vient. Très chouette. Et bravo à tout le monde qui sera là, qui sera présent au webinaire ce soir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis tu me donneras des nouvelles du Jiaogulan puis du... J'ai hâte de... Jiaogulan, j'ai goûté, mais l'autre, je veux goûter. Je veux vraiment voir ce que ça fait. Très cool. Très, très cool. Bon webinaire ce soir. Bye. Merci. Merci tout le monde. Bonne semaine. Salut.